Et bande de trucs, j'ai des choses à vous montrer. Oui. Je vous parle à vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé le moyen de pouvoir faire le court-métrage que vous avez vu il y a quelques secondes. Et comment j'ai fait ça? Ben, j'ai cherché comment fonctionne le truc, tout simplement. Et j'ai réussi à le faire fonctionner. En fait, c'est le mode caméra qui fait ça. Voilà, le personnage, il est là. Si je lance le truc, basiquement, ça fait ça. Hein. Je vais vous montrer. Hop. Tout simplement, là, le personnage, vous voyez, ça, c'est basique. J'ai commencé à faire l'acteur que j'ai avancé comme ça, normalement. Jusque-là, c'est pas intéressant, hein, parce que, voilà, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez que le personnage, il regarde le ciel, il fait tout ça. Jusque-là, il n'y a rien d'attrayant, hein, c'est pas très intéressant. Et là, il disparaît. Et poup, là, c'est fini. Le test est terminé, il est terminé et il disparaît. Donc là, jusque-là, c'est pas intéressant, il n'est pas très intéressant. Et c'est là qu'il y a un truc intéressant à faire, c'est beaucoup intéressant. Vous allez après dans éditer caméra. Et c'est là que vous faites votre caméra. Alors, je vous conseille vraiment la caméra... je sais plus le nom, attendez. La caméra PAT. Elle permet en déplaçant de bouger légèrement. Et pour la caméra qui bouge pas, la idle, c'est bon. Le reste, je n'utilise pas, ça fait largement déjà le taf. Pour le zoomer, il suffit de s'approcher soi-même, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ici, ce que ça fait, c'est ça. Hein. Je vous laisse même carrément la caméra pour que vous voyez ce que ça donne. Regardez l'idée. Et en fait, c'est simple. Hein. Si je veux cacher ça, j'ai juste à faire une seule chose, je vais vous montrer après. C'est juste idée, en fait, le truc. C'est pas compliqué. Comme là d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant. Hein. On est bien d'accord. Bon, bien sûr, à la fin, on voit un bug. Ah non, là, on voit pas. Mais bon. Donc, en bref, l'idée, c'est que je fasse ça. Et que je fasse... Je sais plus quel bouton. J'ai oublié. Oui, voilà. Ah, c'est pas lancé. Bon, ça bug un peu. Bon, bref, ce que je dois faire, c'est ça. Hein. Je lance le bouton. En fait, il faut prévoir un petit moment que vous restez pour faire vite disparaître la souris. C'est le seul bémol. Je lance le bouton. Je ne sais pas encore comment faire autre. Donc, je le lance, j'appuie. Et j'appuie directement sur F1. Voilà. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il se passe la scène en question. Et du coup, comme vous voyez, c'est classe. Ça, c'est justement la caméra que je vous ai dit, la patch, qui fait un côté stylé. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer que j'ai réussi à trouver la solution pour ça. Hein. Et du coup, c'est classe. Et voilà, c'est tout. Et du coup, ça bug un peu, mais voilà. Comme ça, vous avez vu comment on fait. Je vous dis à bientôt, bande de trucs. J'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu. Ciao, ciao, bien sûr, c'est pas ma map, hein. J'ai piqué ça sur le web. Donc, portez-vous bien, bande de petites truffes. Et à bientôt. Ah. Tout. Non, j'ai code. Donc voilà, on va se quitter sur ça. Hein. Hop. Regardez, encore une fois, sans le truc, c'est vraiment... C'est débile, hein, mais... Voilà, là, c'est pas du tout intéressant. C'est juste un personnage qui regarde vers le haut, vers le bas. Et c'est après, avec les caméras, que ça donne quelque chose d'assez intéressant. Allez, ciao, ciao. Bande de tout truffes.